bien se former pour mieux apprendre, pour une meilleure employabilité. C'est autour de ce thème que s'est tenue la troisième journée de l'entrepreneuriat de Kuritenga. Conscient que l'insertion socio-professionnelle des jeunes est un défi, le président de la JCI Kupela Crystal entend apprendre aux jeunes à s'auto-employer. La communauté de Kupela est le plus souvent, surtout la jeunesse, livrée à eux-mêmes. L'État, comme on l'a dit, l'État seul ne peut pas apporter toutes les solutions. L'État n'a pas un bâton magique pour apporter. Il faudrait, nous, jeunes leaders aussi, de se lever et pouvoir combattre tous les fléaux qui minent cette jeunesse-là. Et c'est en là qu'on a vu l'entrepreneuriat et la lutte contre l'incivisme en milieu scolaire, surtout qu'on a mené des actions depuis janvier jusqu'à présent. On a abrité également la conférence de zone S qui a permis également de pouvoir prodiguer des conseils à travers cette conférence-là à toute la jeunesse du Burkina Faso. Être le principal réseau mondial de jeunes citoyens actifs, telle est la vision de la JCI. Une vision qui pousse les jeunes à opérer des changements afin d'impacter leur communauté. À la JCI, nous avons cerné tôt la complexité de la question du développement, qui ne saurait être du ressort exécutif de l'État, ni l'apanage d'une seule association. Elle est le combat de toute la jeunesse. C'est dans ce sens que la JCI Burkina Faso, à travers les organisations locales, est disposée à travailler avec des personnes physiques et morales de même sensibilité pour l'atteinte des objectifs communs. Aux jeunes et aux associations de même sensibilité que la Jeune Chambre, ici présents, je vous invite à nous rejoindre afin de continuer à créer un impact positif dans vos milieux de vie et à être ceux-là qui apportent des solutions et non ceux-là qui constituent des problèmes pour la société. L'appel a été bien entendu par la jeunesse qui dit être prête à entreprendre. Maintenant, cet atelier nous apprend comment entreprendre sans avoir les moyens et qu'est-ce le leadership. Vraiment, on a retenu beaucoup de choses de cet atelier. La Jeune Chambre internationale est une organisation mondiale de jeunes citoyens actifs âgés de 18 à 40 ans. Elle offre des opportunités de développement aux jeunes en leur donnant la capacité d'opérer des changements.